les derniers instants. Allez, le centre continue de tirer en place. Il faut l'empêcher, de frapper. Biarama Touré dans cette réparation. L'égalisation pour le FC Nantes. Quel but, inscrit par monsieur Philippe Tordini. Tu as vu partout. Eh ouais Thomas, qu'est-ce que je vous disais, rien n'est fini. Il en a loupé une, il en a une deuxième. Et là, c'est banco. Mais oui. Mais bien sûr, mon cher Thomas. Jusqu'à la fin, voilà. Bien sûr, 93e. Et on a vu, lors du changement précédent, que les Spinalia commençaient quelque peu à se féliciter. Ah, mais là, c'est, on a vu des signes, il y a eu ces changements. Voilà, l'erreur, il a été de laisser le... balancer ce long ballon en profondeur. Regardez, sans regarder, lui, il sait. Tout à l'heure, il s'est loupé. Mais là, allez, il sait que, bam, en force, premier poteau, il a attendu le premier rebond et boum. C'est exactement ça, Xavier. Exactement. Il a eu un premier essai tout à l'heure sur la petite faute de main de Olivier Robin. Et là, il a pris très haut. Et là, il a réglé la mire. Il a attendu le premier rebond. Et là, frappé très très haut pour mettre de la puissance. Diabolique, Philippe Djordjevic, qui avait marqué par deux fois au tour précédent face à Dieppe. Et qui, de nouveau, marque pour ce 16e de finale. Lui, l'homme aux 13 buts en Ligue 2. On va s'offrir, on va vous offrir une prolongation dans ce 16e de finale entre Épinal et Nantes.